le feng shui a été présenté depuis une vingtaine d'années en Occident comme une technique essentiellement de décoration ou une technique permettant d'obtenir par magie souvent ce que l'on cherche. C'est une technique qui a plus à voir avec la manière dont nous nous positionnons dans l'espace. Donc oui, le fait de déplacer des objets dans le lieu n'est pas neutre. C'est indirectement de s'appuyer sur le lieu pour permettre à la personne de bouger sa posture. Évidemment, dans les techniques les plus avancées, il y a cette idée fondamentale que le lieu n'est pas neutre. N'étant pas neutre, il est agissant. Et l'objectif va être de voir dans quel degré l'énergie de la personne est en phase ou pas avec la personnalité du lieu. L'idée est de s'appuyer sur une énergie extérieure à la mienne de manière à maximiser mon impact. Donc si l'on peut à la fois être compétent, ou en tout cas travailler sa compétence, et se positionner dans un lieu qui est en résonance, qui va donner du relief à qui je suis, le tiercé est gagnant.